rendu qu'ils font exprès, de mettre du bruit à l'entrée pour pas qu'on réussisse à parler avec le monsieur à la porte. Mmh, on les a les passeports. On va aller se faire couper les cheveux live. De ton portefeuille, Big, ok man. Le gars il est humble. Let's go. Humble man. Rich but humble. That's funny. Bro, what are you talking about, man? Il est quelle heure là? Exactement. C'est pas Calvin et le Chickman, c'est Calvin et son enfant. C'est mon enfant, guys. On est en train de check-in. Il est quelle heure? Tout ton seul? Il est 4h40, genre. Parce qu'il est 5 ans. 16h50. 16h50. On vient d'arriver. On arrive. Notre vol est à 6h15. 17h. C'est le grind. Puis attends, voici ça. Dis-le. C'est la première fois que. Je prends l'avion. Première fois que je prends l'avion. Voyage. Moi, ça fait à peu près 6 ans que j'ai pas pris l'avion. Fait que, ouais, ça va être cool. J'ai hâte de voir. Spart. T'es beau que le dog. Tu te sens sûr? Oui, madame. Oui, on va y arriver. On est en train d'atterrir. Il reste 10 minutes. 10 minutes. C'est quoi tes premières expériences sur la première fois dans un avion avec 7 heures de vol? En vrai, ça a passé vite. C'était bien qu'on passe la nuit. Dans le fond, on a pu dormir. Dormir, c'est la hesse. Mais je suis nain, fait que j'ai trouvé les bonnes façons de dormir, mais c'était bien. J'ai dormi 4 heures sur 6 heures. La bouffe était bonne, c'était bien. Lâche-toi. On était bien. Puis on était bien, c'était cool, les personnes s'occupaient de nous, à l'endroit. C'était bien. Ouais. Pourrait être 9 sur 10. 9 sur 10? On est arrivé, mon homme. Oui. Oui, mon homme. 8h du matin. Oui, mon homme. Je sens l'air de la France. Tu te sens comment? Je me sens grave. Non, viens, je ne pas de décalage d'horreur. Pas encore. Non mais, je pense que je t'ai pas supposé de le sentir quand tu sors de l'avion. Faut pas dormir, je pense. Bon, là, l'avion, faut pas dormir. Non, tu dors pas bien dans l'avion. On attend les bagages avec Spart. On est finalement presque sorti. C'est le grind, baby. Le petit Jacob à l'arrière, on attend le Uber. On va au Airbnb. On va aller regarder le studio où qu'on joue, où qu'on va s'installer pour les prochains jours qui suivent. Vous pouvez voir le petit Jacob en arrière, le boss. C'est ça, man. Le petit update, les bagages. On est là, baby, on est là. Hein? On a ri. Je sais pas. Non, c'est pas là. C'est ici. Ah, c'est clean. Bon matin. Deuxième jour en France. J'attends Spartan qui sort de la douche. Donc, j'ai décidé de sortir dehors pour vous filmer un peu
le genre de paysage qu'on a. Il n'y a pas grand chose, mais c'est déjà mieux que rien quand même, c'est propre. Sinon, ouais, deuxième journée, on se dirige au bureau dans pas trop long. On va aller pratiquer avec Chouachin puis Spa. Du moment qu'on a fini la pratique, on va continuer à streamer toute la journée. J'espère qu'il vient de sortir de la douche, je le vois d'ici. Puis, ouais, s'il y a des trucs intéressants, je vais le filmer, je vais le laisser dans le vlog. Puis, je vais vous montrer aussi le bureau quand on va arriver là-bas. Donc, yeah, je voulais savoir. La vue. Fort. Bon matin, mon homme. Bon matin. Puis, viens dormir? Ouais, il faut juste qu'on donne une heure quand on se réveille. Moi, je vais arriver tôt s'il fallait. Bah, il faut. Puis là, écris-moi ton code, donc je t'ai fait. T'es fou, quel bug! C'est parti. On monte? Non. C'est comment ça s'appelle le truc déjà? Hein? Comment ça s'appelle le menu, le truc ici? L'arc de triomphe. L'arc? Arc. Arc de triomphe. On va monter rien du tout, mon nom. On monte? Non. C'est propre. Là on a l'avenue des Champs-Élysées, là-bas on a le Sacré-Cœur, là on a la Tour Eiffel. Il y a le pont Alexandre et là-bas t'as le quartier d'affaires. Oh my god! Le resto qu'on mange. Quand je te dis, il y a pas ça à Montréal. On est des putes. On est des putes. Je finirai en toi le CD avec des paroles pareilles. Aïe aïe aïe. Les toilettes à l'hôtel. Chaud. Si tu veux descendre ici. Petite piscine. Vous allez bien? Très cher. Je vous le dis, là je pars en vacances, je reviens le 13, je vais tout faire les gars pour trouver un sponsor et refaire venir Tabernac 1 et 2. Et s'il n'y a encore une fois pas de sponsor, la Chocorp prendra encore une fois les frais de Tabernac 1 et 2 pour les faire venir. J'ai envie qu'on retente de se qualifier, j'ai envie que si on ne participe pas à ces WSOW, qu'on ait tout fait pour y participer sans être invité. Et en suivant de ça, je pense les gars que j'aurais absolument tout donné sans aller à l'encontre de mes principes. J'espère que ça le fera, j'espère que vous serez encore une fois derrière nous. Dans tous les cas, merci du fond du cœur pour tout le soutien qu'on m'avait donné, à moi ainsi qu'à Tabernac 1 et 2 qui ont été là tout le long avec moi, qui ont été très mignons. Moi les gars, je vous fais de...